Monsieur? Auffüllen, bitte. Hé, hey, Giovanni, grouille-toi, je suis pressé. Va gérer en quart avec une belle fille. Le monsieur était là avant toi? Ah, oh, mais moi, je suis du pays. Lui, il est allemand. Les teutons, ça peut attendre. Hein. Ouais, t'as raison. Telefunken, Volkswagen, Beckenbauer, Heil Hitler, Spazieren, Kartoffeln, Frickfiken. Dis donc, Giovanni. Je connais un teuton qui aimerait que tu lui fasses le plein. T'as compris, oui? J'ai horreur d'attendre. Salut, qui c'est ça? Le cul à l'air en plein village. Ça doit être une étrangère.
regardez, regardez bien, bande de crève-la-faim. Dans ce pays de malheur, vous en avez jamais vu des automobiles pareilles. Mercedes-Benz 220, moteur diesel. Ah, oh, c'est un vieux modèle. Même les gitans de la foire, ils en voudraient pas. Monsieur, vous désirez quelque chose? Non, je vous en prie, finissez avec madame. Oh, elle peut attendre, elle est de la campagne. Bonjour, monsieur. Je suis à votre disposition. Pour les livrets de caisse d'épargne, c'est vous? Oui, c'est moi. Combien voulez-vous déposer? Disons 100 millions. 100 millions, hein? 100 millions de quoi? Qu'est-ce que vous croyez, de figues? Non, 100 millions de lire. 100 millions de lire? Dans un livret de caisse d'épargne? Pourquoi 100 millions? On n'a pas le droit de les épargner. Vaut mieux courir à les putains que de les mettre de côté. Oui, bien sûr. Au contraire, nous encourageons l'épargne, vous pensez. Content? Content. Et comptez. Si vous voulez contrôler. Puis-je vous demander votre carte d'identité, monsieur? Mais oui. Macaluso Carmelo, fils de feu Giuseppe. Pardon, est-ce qu'il n'y a pas eu, il y a quelques années, un Macaluso Giuseppe qui s'est suicidé? Vous avez de la mémoire? Ça fait 15 ans, c'était mon père. Ah, je vois. Pardonnez-moi. Une balle dans la tête. Parce qu'il avait une dette de 500 000 lire. Mais c'est la vie, ça. Nous avons bien dit 100 millions. Non! 99. Il y en a un pour Maria Santissima del Capo, qui a bien voulu que je revienne sain et sauf. Et riche! Madone, Madone, ma belle petite Madone, tu m'as fait une grâce et Carmelo Macaluso respecte ses promesses. Bon Dieu de merde, un pantalon tout neuf. Mais j'en ai rien à foutre d'un pantalon. Madone, regarde ce que je t'apporte. 1 million, comptant et compté. 1 million. Avance Carmelo, courage. J'aurais pu envoyer un mandat. Mais t'as pas honte, Carmelo? Madone, c'est moi, je viens en personne. Putain de merde, voilà l'autre genou qui fout le camp. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Carmelo Macaluso s'en fout. Même en caleçon, je continuerai. J'arrive! J'arrive, Madone! Me voilà! Ouvrez! Ouvre, Madone, c'est moi! C'est Macaluso Carmelo! Je suis venu d'Allemagne! Deutschland! Ouvre-moi, Madonnette! Ouvre-moi! C'est moi, je suis là! Hé, hey, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Moi? Eh ben, mais. Et la Madone, où elle est? Je viens voir la Madone, moi! Si c'est la statue que vous cherchez, elle n'est plus là, elle est partie il y a 3 ans. Et l'édifice est condamné. Condamné? Vous voulez dire qu'on va le détruire? Mais je vais le remettre en état, moi, mes propres frais. J'ai plein d'argent, moi, regardez, j'ai de quoi. L'église est en démolition. Et tout le terrain qui est là vient d'être acheté par la société Ital Residence de Varese. Et alors? Alors qu'est-ce que je fais? Mais je viens de faire 2000 kilomètres. J'ai abîmé un beau pantalon tout neuf, sans parler de mes genoux. Pour apporter un cierge à la société Ital Residence de Varese. Qu'est-ce que tu en dis, toi, ce Carmelo Macaluso? Ces 100 millions, comment il les a eus? Comment il les a eus? Il dit que c'est en faisant des économies pendant des années. Oui. Alors, si toi et moi, on fait des économies pendant des années, on mettra de côté 100 millions. À qui tu feras croire ça, Ciccio? De la glace, ton sarro, encore de la glace! C'est ça. De la glace pour le champagne. Eh. Oh,
Comment ça se fait que ça pue comme ça? Oui, c'est que la glace, c'est celle du poisson, justement, don Carmelo. Alors, elle sent un peu. Et toi, qu'est-ce que tu as à rire, idiote? Qu'est-ce qu'il y a de comique? À quelle maison? La glace pue le poisson et la chambre pue la moisissure. Bah, qu'est-ce que vous dites? C'est la plus belle chambre de l'auberge. Ah oui, ah bah, qu'est-ce que ça doit être les autres? En Allemagne, même les moutons refuseraient de dormir dans un endroit pareil. Et on est un pays de pauvres, de malheureux, don Carmelo, vous l'avez oublié. Un pays de malheureux, un pays de brigands, oui. Ici, on vole tout. L'argent pour construire les routes, les écoles, les hôpitaux. Les émigrés envoient de l'argent et c'est la municipalité qui bouffe tout et qui boit les pots de vin. Aïe, mais vas-y doucement, j'ai mal, moi. Oui, mais on trouve encore des bonnes choses dans notre pays, non? Hein? Bonjour, bonjour. Un instant, monsieur le baron. Vous me reconnaissez? Non. Qui diable es-tu? Je suis Carmelo Macaluso, fils de Giuseppe Macaluso, qui était votre métayer. Ah, mais c'est vrai. Et comment va papa? Papa, il a disparu, d'une balle dans la tête. Ah oui. Eh, vois-tu, ce sont les malheurs de la vie, ça. Et quand le destin a décidé monsieur de s'acharner... Monsieur le baron, vous voulez savoir pourquoi mon père s'est tiré cette balle? Je ne peux pas dire que ça m'intéresse follement. Si mon père s'est tiré une balle dans la tête, c'est qu'il devait 500 000 lire à votre seigneurie. Ah oui. Il les a payés au moins? Non. Et alors, pourquoi il s'est tiré une balle dans la tête? C'est moi qui avais une raison de faire, non? Monsieur Macaluso, venez nous voir à la maison, nous y serons plus tranquilles. Nous sommes au palais Lamia. Oh, je le connais, votre palais Lamia. Quand j'étais gauche, j'y allais à Pâques pour apporter des agneaux en hommage à monsieur le baron. J'étais toujours nu-pied, alors on me faisait entrer par la porte de service. Et par où voulais-tu entrer? Tu arrivais sans chaussures, tes agneaux sur l'épaule, hein? Qu'est-ce que tu croyais, que tu allais entrer par l'escalier d'honneur? N'en parlons plus. Mon père s'est tué parce qu'il vous devait 500 000 lire. Sa dette, c'est moi qui vais vous la payer. Et à l'instant, arrêtez-le! Qu'est-ce que tu allais faire? J'allais régler mes dettes. 500 000 lire de l'époque, je pense que ça doit bien représenter le double aujourd'hui. Voilà 1 million, avec les intérêts. À l'occasion, vous voudrez bien me donner un reçu, monsieur le baron. On en reparlera, voyou. 'Ça y est, on lui a tout payé, papa. Tu peux dormir tranquille maintenant, j'ai tout payé, et avec les intérêts. Oh, j'aurais voulu que tu sois là. Le village tout entier était témoin. Bravo, t'as bien fait. Non, je voulais te dire, t'as eu bien tort de te flanquer une balle dans la bouche. Pour 4 sous que tu devais. Ah oui, et mon honneur. Mais quel honneur, papa? Les gens, ils ne respectent les autres que s'ils sont vivants, en bonne santé, avec un portefeuille gros comme ça. Carmelo, il n'y a que les voleurs qui ont des portefeuilles gros comme ça. Et ils les vident pour s'acheter des automobiles grandes comme des bateaux. Pour qui tu dis ça? C'est pas pour moi. Mon argent, moi, je l'ai gagné, honnête. Carmelo, 100 millions, ça se gagne pas, ça se vole. Pour avoir 100 millions, faut avoir volé et tué son prochain. Bah, en tout cas, il vaut mieux tuer son prochain que de se tirer une balle dans la bouche. Papa, tu veux que je te dise? Si t'avais eu des couilles, tu serais allé le voir, ce fils de putain qui t'a poussé au suicide. Putain de merde. Si seulement t'avais eu un peu de patience. Un tout petit peu de patience. Tu aurais vécu pour voir ton fils devenir le maître de tout ce pays cocu. Le maître, parfaitement! Parce que maintenant, tout le monde va me respecter! Tout le monde va s'incliner devant moi! Comme devant un monsieur! La procession a commencé. Quelle procession? Chicho. Quand les rois mages ont appris que le Christ était arrivé, ils ont couru à Bethléem avec des cadeaux. Ils auraient eu bonne mine si tu t'étais présenté les mains vides, non? Alors, tu vois ce que je veux dire, Chichou? Tiens, sens ça. Et tu veux que je te dise ce qu'il a fait? Ma femme et ma fille Tinda. Tu te souviens de Tinda? C'était une gamine quand tu nous as quittés, Carmelo. Écoute-moi ça, tu m'en diras des nouvelles. Je pense que ça, t'as pas dû en manger en Allemagne. Ah, ça c'est sûr, vous êtes gentil. Quoi gentil? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu es comme un fils pour moi, ton père oui, pour moi. Il était comme un frère, oui, ça je sais. C'était je plus, sais. C'était plus. Et puis, c'est moi qui suis ton parrain, tu t'en souviens. Hein? C'est bon. J'avais presque oublié comme c'est bon. Chez moi, tu es chez toi, et chez moi, on sait faire à manger. Viens quand tu voudras, ma maison t'est ouverte. Oh, vous me faites trop d'honneur. Parlons d'autre chose. Oui, parlons de choses sérieuses. Carmelo, cette nuit, j'ai rêvé de ton père.
de mon père. Et ton père m'a dit, Calorio, voilà que mon fils est devenu très riche, et quand on a de l'argent, il faut savoir le dépenser. Pour ce qui est de le dépenser, donc, Calogero, mon père peut être tout à fait tranquille. Oui, mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ben, je ne sais pas encore. Soit des affaires, des investissements, des spéculations sur le bord de mer. Des spéculations sur le bord de mer, des investissements? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne vas pas dépenser ton argent pour bâtir des maisons sur le sable, hein? Non, non, Carmelo, la terre, Carmelo, et les agrumes. Il n'y a que ça de vrai, la culture, les agrumes. Ah, Carmelo, il y a autre chose que m'a dit ton père. Il m'a dit, Calorio, dis à mon fils qu'il faut qu'il tourne le dos à tous les envieux qui vont lui jeter le mauvais œil. Donc, Calogero, je vais vous dire ce que les envieux vont faire. Ils vont enlever leur chapeau devant Monsieur Carmelo Macaluso. C'est ça, mais oui, c'est ça. Enlève ton chapeau et salue bien bas. Messieurs, hier, les coups de pied au train de misère, aujourd'hui, les coups de chapeau aux millionnaires. Bien des choses, Monsieur Ital Residence de Varese. Qui est là, dit grand cocu de malheur? Ah non, parle encore un peu, que je mette un visage sur ta voix. Oh, alors quoi, depuis une semaine que tu es là, t'as pas trouvé le temps de venir me voir? Mais comment tu veux que je sache? Tu parles comme un PD, c'est tout ce que je sais. Ah, salaud, et qu'est-ce qui t'a fauché la fille de la pharmacienne qui avait de si grosses fesses que ça te faisait baver d'envie, hein? Vito! Eh? Vito Buscemi! Carmelo! Carmeluzzo! Vito! Vituzzo! Je pisse toujours plus loin que toi, Carmelo Macaluzzo. Ça prouve que tu bois toujours plus que moi, c'est tout. Jaloux. Eh non, Vito, maintenant c'est les autres qui vont être jaloux de moi. Est-ce que tu sais que j'ai remis 1 million au baron hier, devant l'église? Tu parles que je le sais, je suis l'avocat de la famille. Ah, tu es l'avocat du baron? Mais... Eh ben alors, mon vieux, maintenant le baron, il te paie avec mon argent. Maître Boucher, mais... La vie est belle. Ouais, toi, bien sûr, il y a des choses que tu peux pas comprendre. Parce que toi, t'as jamais souffert de la misère et de la faim. Mais tu te rends compte que jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'avait jamais appelé Don Carmelo? Don Carmelo Macaluso. Don Carmelo, permettez-moi de vous présenter mes respects, ainsi qu'à la baronne, votre épouse. Oui, c'est ça, fous-toi de moi, fous-toi de moi, avocat des causes perdues. Mais qu'est-ce que tu crois? Si Don Carmelo Macaluso en avait envie, il pourrait prendre pour épouse la fille d'un prince, et pourquoi pas d'un baron? Et qu'est-ce que tu en ferais, toi, d'une baronne? Tu veux me dire à quoi elle te servirait? Je vais te dire à quoi. Elle me servira à m'offrir certaines satisfactions que j'ai jamais eues dans ce pays de cocu. Vito, tout le monde a le droit de s'accorder quelques satisfactions. Moi, maintenant, je vais me les accorder toutes. Toutes? Toutes. Pour sauver ton honneur et celui de ta famille. Pour sauver ton honneur et celui de ta Pour sauver famille. Ton honneur et celui de ta famille. Pour sauver ton honneur et celui plus fort, de ta plus famille. Fort que ça. Je vous paie pour pleurer fort, pas pour pleurer à voix basse. Alors, on recommence. Bon comme le pain. Bon comme le pain. Tu as préféré, allons-y. Tu as préféré. En ton âme sainte, en ton âme pure. En ton âme sainte, en ton âme pure. Tu as préféré mettre un terme à ta vie. Tu as préféré mettre un terme à ta vie. Plutôt que de vivre déshonoré. Plutôt que de vivre déshonoré. Requiem aeternam in pace. Requiem aeternam in pace. Merci, vous lui avez fait un grand plaisir parce qu'il n'était pas juste qu'un malheureux acculé au suicide n'ait pas la consolation d'être pleuré. Merci, vous avez été très gentil. Je m'excuse parce que j'avais un peu le... Ah non, 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 vous avez été très bien, ça. Alors, 10 000 lire pour toi. 10 000 lire pour toi. Merci. 10 000 lire pour toi. 10 000 pour toi. Merci. 10 000 pour toi. Et 10 000 pour toi. Et une bonne santé à toutes. Et n'oubliez pas dans vos prières, Giuseppe Macaluso, un honnête homme. Un honnête homme. Merci. Moi, pour gagner 10 000 lire, il me fallait 3 mois de travail. Rappelez-vous que les Macaluso paient leurs dettes. Rappelez-vous bien ça. Voilà. Alors, allez, portez-vous bien. Et dites à tous que... Bon, ben qu'est-ce que vous regardez, hein? Vous n'avez rien à faire, je vous ai payé, non? Alors allez-vous-en vite. Allez. Attendez, madame la baronne. À
Attendez, Madame la Baronne. Putain de merde. Sale voyou. Non mais c'est pas vrai, tous des fils de pute. Garde, il y a un téléphone. Il y a quelqu'un. Mon Dieu de merde. Don Carmelo, je vous pèse les mains. Si on peut vous être utile, ce sera avec plaisir. Ça fait longtemps que vous êtes là, hein? Non, on vient d'arriver, on passait par là par hasard, hein, Chicho? C'est vrai. On était en train de regarder le panorama. Et vous n'avez pas vu qui a fait ça au pneu de ma voiture? Au pneu de votre voiture, mais voyons. Les gens sont méchants, vous savez. Vous allez toujours partout, tout seul. Quand on a de l'argent, on fait toujours des envieux. Oh, Dieu sait combien de gens il y a ici qui vous veulent du mal. C'est sûr. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des amis qui ont... Comment dire, Chicho? Qui ont les yeux bien ouverts sur votre personne. Je m'explique bien. Très bien, et je vous remercie. Seulement voilà, moi, quand j'ai des ennemis, je m'en occupe tout seul. Donc, Carmel, dans notre pays, celui qui n'a pas d'amis fidèles, il fait mieux de partir ailleurs, s'il veut profiter de la vie. Oui, s'il veut en profiter, si... S'il veut vivre sans préoccupation, sans avoir à craindre les méchantes gens. Tous ceux qui brûlent les granges ou qui dévalisent les vergers, ou pourquoi pas qui arrivent à crever les pneus d'une voiture. J'ai compris. Mais parlons clairement. Je pense que vous devez connaître quelqu'un qui pourrait me débarrasser de mes ennemis. Eh oui, je crois qu'on va très bien s'entendre, Don Carmelo. Je m'appelle Antonio Gemma, et lui c'est Ciccio Pelletti. Heureux de nous mettre à votre service. Et je ne crois pas que vous regretterez d'avoir fait appel à nous. Nous avons même changé les pneus. Ma chanson n'est pas pour l'amant malheureux. Ma chanson ne parle pas d'amour ni d'amour sous la lune. Putain de merde. À vos ordres, Don Carmelo. Dites, si vous arrêtez l'eau quand je suis plein de savon, comment je vais me rincer, moi? Vous énervez pas, il y en aura dans une heure de l'eau, c'est une question de pression. Bah oui, mais en attendant que l'eau revienne, qu'est-ce que je fais, moi, des bulles, hein? Je peux pas rester comme ça pendant une heure. Et puis j'ai un rendez-vous très important. Le palais Lamia est tout près d'ici, vous avez le temps? Hein, mais comment vous savez que je vais au palais Lamia? C'est un peu difficile à expliquer au téléphone. Bon, si vous assistez, venez ce soir vers 10h. Mais je serai à l'heure, ma chère Valéria. Ah, monsieur Macaluso, j'espère que vous ne me formuliserez pas si je vous demande d'entrer par derrière, par la ruelle. C'est à cause de mon père, il est si vieux, je... Et surtout, je vous en prie, que personne ne vous voit. Il y a un miroir là-haut. Montez, monsieur Macaluso, je vous en prie. Venez. Oh, mais quel superbe bouquet. Mais tout le plaisir est pour moi, madame. Je suis vraiment navrée que vous vous soyez dérangée en personne. Ça m'arrangeait plutôt de me déranger. Entrez, je vous en prie. Merci. Entrez, entrez. C'est la chapelle de famille.
Ma bibliothèque. Je vous en prie. Venez, asseyez-vous. Un petit whisky? Merci. Avec de la glace? Merci, non, j'ai des frissons. Pardon? Oh, rien. Est-ce que vous savez pourquoi je suis venue au cimetière hier? Bien, je suppose que c'est en souvenir de feu mon père. Non. Je suis venue en souvenir du fils. J'avais envie de vous voir de plus près. C'est-à-dire, vous revoir, plutôt. Mais, alors vous vous souvenez de moi? Je me souviens d'un petit garçon qui devait avoir à peu près mon âge, qui était pieds nus, qui tenait un lièvre dans chaque main. Ça se passait le matin de Pâques, je crois. Vous aviez les yeux baissés. Mais au moment où je suis entrée dans la cuisine, je me souviens que vous avez levé les yeux et que vous m'avez regardé fixement. Madame la baronne. Appelez-moi Valéria, c'est mon prénom. Baronne Valéria. Je vais vous faire une confidence. Oh, madame, je vous assure que si je peux vous être utile en quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Oh, je sais bien que tout le monde ici doit faire appel à vous. Et je sais que de toutes parts, on doit vous solliciter. Ne me prenez pas pour un de ces quémandeurs. Vous voyez bien que je n'ai besoin de rien. J'ai un mari très riche. Un mari? Mais alors il est là? Non. Nous avons divorcé. Il est en Hollande. Ah, en Hollande. C'est loin, la Hollande? Oui, c'est très loin. C'est un passé qui est mort depuis longtemps. Oh, comme c'est triste. Oh, pauvre Valéria, je... Mais que faites-vous? Salut, maman, je me tire. À quelle heure rentres-tu? Tu verras bien, j'en sais rien. Tu ne dis pas bonjour à Monsieur Macalouse, hein? Enchanté, ciao. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Bon, j'y vais, sinon on dira que je suis toujours en retard, et c'est vrai. Et ciao. Ah, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous avez vu ça? Et elle n'a que 16 ans. 16 ans? Elle ne les a pas encore, mais... Si mon père m'apprenait que je la laisse sortir le soir, c'est un homme d'un autre temps. Même moi, il me traite encore comme si je venais à peine de sortir du collège, voyez. Mais parlons plutôt un peu de nous. Est-ce que vous allez rester longtemps? Mais s'il vaut mieux que je parte, dites-le-moi, ça je vous en prie. Non, je voulais dire dans le pays. Ah, au pays. Oh, ben, j'en sais rien. J'ai tant de choses à... Est-ce que ça marche, les études? Oh, non, non. Je ne fais plus d'études depuis longtemps. Ah, mais non, je voulais dire elle. Je parle de la petite. Ah, Jessica. Elle est en première, au lycée. Encore un peu de whisky? Oh... Non, merci. Vous savez, j'ai pas l'habitude. Vous avez peur de perdre la tête? C'est la première fois qu'il m'arrive une chose pareille. C'est vrai, tu sais, c'est fou ce que c'est excitant. Petite salope. Garce. Cochonne. Je devrais être jaloux? Non, pas encore. On en est encore qu'au vouvoiement. Ah, quand j'ai enlevé mon écharpe, tu sais, cette écharpe façon léopard un peu putain, tu vois? Oui, celle qui me plaît tellement. Et quand il a vu mon décolleté, il s'est tellement congestionné que j'ai cru qu'il éclatait. Typique de l'émigrant qui revient après une longue abstinence. Oui. Mais ça ne peut que te rendre la tâche plus facile, n'est-ce pas? Tu es content de toi, hein? Oh, pour moi, il n'y a que ton bonheur qui compte, Valéria. Il s'agit de 100 millions. Ça aide au bonheur. Beaucoup d'argent. C'est bien trop pour lui. Mais oui, qu'est-ce qu'il en ferait, lui? Il ne saurait même pas comment le dépenser. Oh, il le dépense. Il le dépense mal, mais il le dépense. En monument. Oui, en tombe. En neuvaine. Oui, et puis aussi en presse de galles du plus mauvais goût. On aurait peut-être intérêt à se dépêcher un peu avant qu'il ne comprenne qu'on s'habille mieux à Londres. Cocktail de crevettes à la muscade. Merci. À votre santé. Qu'est-ce que vous faites? Vous buvez les crevettes? Pourquoi, ça se boit pas? Ah non? Non. Alors pourquoi on les met dans un verre?
Je ne sais pas, ça se fait. Ben, ça devrait pas, parce que les verres, c'est pour boire et les assiettes pour manger. Alors comme ça, c'est plus logique. Que tu es charmant, Carmelo. Oh, vous me faites perdre la tête, voilà que je vous tutoie. Valéria. Valéria. Valéria, depuis la première fois où je vous ai vu... Ne dites rien. Entre nous, les mots sont superflus. Parce que moi aussi, je... Toi aussi. Valéria. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu es belle, tu es baronne, et tu seras moi. Non, Carmelo, non. Oh, si, Valéria. Carmelo, si. Non. Si, Valéria. Carmelo, non. Si, Valéria. Valéria, tu es belle. Oh, j'ai envie de toi, je t'en prie, j'en peux plus. Moi. Tu as vu la plaque de cette voiture? Mais quelle plaque, mais quelle voiture? Oh, Valéria, Valéria. Hein? Je t'en prie, oh. Non, Carmelo, non. Non. Je t'en prie, non. Arrête. Oh. Carmelo, ce n'est pas possible. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Tu es belle. Tu es à moi. Tu es baronne. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Mais tu dois comprendre que c'est impossible. Mais pourquoi c'est impossible? Nous sommes libres. Non, je suis célibataire et tu es divorcée. Et ma fille? Mais ne pense pas à ta fille, pense plutôt à nous deux. Oh mon Dieu, tu as vu la plaque de cette voiture? Mais je suis pas agent de police, moi je m'en fous de la plaque. Carmelo, je te jure, si j'étais seule, s'il n'y avait pas ma fille, c'est moi qui te demanderais de partir avec toi loin d'ici. Tu es folle, non. Non, je ne veux pas qu'on s'en aille. Je veux rester, faire crever d'envie tout le monde. Oh oui, toi et moi, mari et femme, à l'église, devant le prêtre, avec l'anneau au doigt. Et Jessica sera comme ma fille, je te promets. Oh, chérie. Oh, comme tu es bon, comme tu es délicat. Mais pourquoi voudrais-tu que je me leurre? Tu sais que notre amour n'a aucune chance. Tu ne connais pas mon père. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ton père? Il s'agit de nous. Même si je ne suis plus une jeune fille, même mariée et divorcée, je ne peux rien décider sans lui. Dans notre famille, c'est comme ça. Moi aussi, dans ma famille, c'était comme ça. Je vais aller lui parler. Hein? Tu n'es jamais que le fils de son métayer. C'est ce qui te fait peur. Ah, tu vas voir si je le fais pas changer d'avis ton baron de père en lui montrant mon livret de caisse d'épargne. Tu vas voir comment je me l'achète, le baron, la baronne et tout le palais. Valéria, le monde est à vendre et moi j'ai les moyens de l'acheter. C'est ce que je vais faire. Mon numéro de compte, c'est le 42-65-10, ça te va? Bonjour, Don Carmelo. Messieurs. Comment ça va, Don Carmelo? Ah, bien, merci. Don Carmelo. Bonjour. Mon cher Carmelo. Don Mevio. Mes respects, Don Carmelo. Bonjour, ça va? Carmelo! Oh, Don Calogero! Carmelo Macaluso, tu vas bien? Ça va et vous? Eh, hey, t'es devenu bien fier que tu te rappelles même pas que tu m'as promis une visite à la ferme, hein? Je viendrai bientôt, Don Calogero, et je vous apporterai une grande nouvelle. Oh, ce sont pas forcément les grandes nouvelles qui sont les meilleures. Ah, la mienne est bonne. Je peux savoir de quoi il s'agit, à moins que ce soit un secret. Eh, hey, Don Calogero, regardez bien ce palais. Quand j'étais gosse, j'y entrais par l'escalier de service. J'y entrerai en maître et par le grand escalier. Tu voudrais acheter le palais Lamia? Ah, ça c'est vous qui l'avez dit. Moi j'ai rien dit, hein. Et qu'est-ce que tu vas faire de cet amas de pierres qui tombe en ruine? Eh, Don Calogero, chacun de nous dans la vie a droit à une petite satisfaction. Une seule. Et quand la chance se présente, il faut se l'offrir, c'est un devoir, non? De quoi vous croyez que j'ai rêvé pendant les 15 ans que j'ai passé en Allemagne? De femmes, d'automobiles, de plâtre et de spaghettis peut-être? Ah, non. De m'offrir le palais Lamia. Et tu crois que le baron Alfonso Lamia acceptera de traiter avec toi et de te vendre son palais? Je le convaincrai. Figurez-vous que monsieur le baron de mes deux a déjà consenti à me recevoir ce soir chez lui. Il n'y aura pas que le palais que ce vieux cocu va me céder. Non, il n'y aura pas que le palais. Oh, Syracuse. Syracuse. De l'époque de Dionysius. Oh. Ah oui, Syracuse de l'époque de Dionysius. Monsieur le baron. Je vous en prie, restez assis, monsieur. Monsieur. Macaluso. Ah, regardez ça. Syracuse, dernières années du règne de Dionysius. Êtes-vous connaisseur? Bon. Ah, allez-y, vous avez bien une opinion. Ben, c'est-à-dire que j'étais en Allemagne depuis. En Allemagne. Oh, alors, vous avez dû rencontrer le prince de Württemberg-Hasso. Nous avons des liens de parenté un peu éloignés par une cousine de Naples. Monsieur le baron, je suis le fils de feu Giuseppe Macaluso, oui, métayer de votre propriété de Santa Lucia. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es venu réclamer des meilleures conditions de travail, pas question. Des machines agricoles, pas question. Je n'accorderai rien. Rien. Je ne veux rien savoir. Rien, rien. Monsieur le baron, il y a bien longtemps que cette propriété ne vous appartient plus. C'est vrai?
Ouais, tant mieux. Ainsi, vous ne me casserez plus les pieds, vous et tous ces voleurs que j'entretenais. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. J'ai fait quelques économies. Quelques 100 millions. Mais... 100 millions, monsieur le baron. Je ne suis pas sourd, je t'ai entendu. Et puis... Comment et puis? Et puis, qu'as-tu d'autre à dire? Et puis... Et puis, je veux me marier, avec la permission de votre excellence. Oh. Mais c'est bien. Mais c'est bien, ça. Si tu veux me demander mon accord, tu es un brave garçon, toi. Respectueux de cette tradition qui voulait que les fidèles serviteurs sollicitent les conseils de leur maître. C'était le temps où l'on savait encore vivre. Tu es un brave garçon et tu as bien fait de venir me voir. Monsieur le baron, je voudrais me marier tout de suite. Quoi, tout de suite? Quel âge as-tu? 35 ans, passé. 35 ans. Mais alors, tu es arrivé jusqu'à l'âge de 35 ans sans prendre femme et voilà maintenant que ça te démange. Enfin, si c'est vraiment une femme que tu veux, je vais t'en trouver une, moi. Vincenzina. Vincenzina, la fille de Rocco qui était mon cocher, hein? Vous devez avoir le même âge à quelque chose près. Monsieur le baron, vous ne m'avez pas compris. Oui, Vincenzina, une brave fille, forte, honnête et travailleuse. Elle a bien eu un petit ennui avec le comte Salmieri, mais c'est une affaire passée. Et personne ne se souvient plus de ça. Et puis c'est une belle femme, hein. Et il paraît que sa petite fille est toute... Peut-être, mais moi je préférerais épouser la fille de... Mais qu'est-ce que tu racontes, sa fille? Elle est haute comme ça. Monsieur le baron, celle que je veux épouser, c'est la fille de votre excellence, la baronne Valeria. Hein? Oh, cet homme est fou. Voilà, quelqu'un, appelez les carabiniers. Appelez les carabiniers, c'est un fou. Appelez les carabiniers. Au secours! Monsieur le maréchal, arrêtez Carmelo Macaluzzo qui a osé vouloir rentrer dans la famille du baron! Ouais, c'est ça, Harry, tu peux rire, je suis devenu le paillasse de la ville, le bouffon! Mais c'est ta faute, grand imbécile! Bah, pourquoi c'est ma faute? Mais évidemment, tu n'as voulu en faire qu'à ta tête! Mais je suis là, moi, je suis l'avocat de la famille, l'homme de confiance du baron! Et toi, tu vas te présenter tout seul au palais pour épouser la baronne! Mais enfin, les amis, à quoi ça sert alors? Bah, qu'est-ce que tu aurais pu faire, toi? J'aurais pu faire beaucoup. Ouais, beaucoup. Parce que je sais comment prendre le baron. Et je sais aussi que tu ne déplais pas à la baronne. Non, c'est vrai. Mais comment tu le sais? Elle te l'a dit? Eh oui, bien sûr, sinon, comment je le saurais? Et alors, tu crois que... Oui, Carmelo, mais il faut me laisser faire. Tu as confiance en moi? Ouais, tu es comme mon frère, tu sais bien. Bon, alors, ton frère va faire de toi l'époux de la baronne. Tu es content? Et vous croyez que je vais donner ma fille au fils d'un métayer? Maître, sachez que dans notre famille, depuis l'an 1613, lorsque la baronne Lamia a voulu valser dans une meule de foin avec un paysan, la tradition s'est perpétuée sans que personne n'ait recours au service d'un curé. Mais monsieur le baron, en ce qui concerne votre fille, il ne s'agit pas d'un petit caprice, si c'était le cas. Si c'était le cas, je la ferais fouetter au sang publiquement, monsieur. Mais je l'empêcherais de commettre pareille mésalliance. Ma fille unique épousait un fils de métayer. Écoutez-moi, maître. Du temps que Francesco Lamia, 1570-1641, s'embarquait en Sicile dans l'escorte de Don Pedro d'Aragona sur des navires chargés de lingots d'or... Justement, monsieur le baron, les lingots se sont volatilisés. Quoi volatilisés? Ça veut dire qu'il ne reste à votre fille que 3 champs d'orangers et tous les 3 hypothéqués. C'est impossible. Monsieur le baron, je suis l'avocat de votre famille ainsi que l'a été mon père. C'est dire que les affaires des Lamia, je les connais mieux que les miennes. Et je peux vous dire que dans moins de 2 ans, votre palais changera de propriétaire. C'est dans ce palais que j'ai vu le jour et c'est dans ce palais que je veux mourir. Je suis ici par la naissance et je n'en sortirai que par la force des canons. Ce ne sont pas les canons, mais les traîtres qui vous chasseront, à moins que... À moins que... Ah, oh, mais je vois que monsieur le baron devient raisonnable. D'après les renseignements bancaires ultra-secrets, il apparaît que le sieur Carmelo Macaluzzo serait titulaire d'un livret de caisse d'épargne de 97 572 000 lire. Le prétendant à la main de ma fille? Lui-même. Macaluzzo? Mais il ne serait pas parent des Macaluzzo di Cesaro, par hasard? Papa, je te dis que je vais l'épouser. Carmelo, réfléchis bien, il s'agit de personnes d'une autre condition. Mais nous aussi, maintenant, on est des personnes d'une autre condition, papa. On est riches. Carmelo, à 10 ans, tu maniais déjà la pioche. C'est pas tes millions qui feront disparaître tes cales de tes mains. Oh, papa. Et puis, Valeria, elle m'aime bien. Tu comprends? Et moi, elle me plaît tellement. Parce qu'elle est belle et parfumée et riche. Elle est baronne, tu sais, papa. Et moi, je vais l'épouser. Voilà. Si tu tiens à te faire pousser des cornes, ça te regarde. Mais la petite, t'y penses? Mais quelle petite? Mais tu sais très bien de qui je parle, la fille de la baronne. Ah, Jessica.
Oh, il y aura toujours un morceau de pain blanc pour elle. Carmelo, viens pas me raconter des conneries à moi. T'as le sang qui remue dès qu'elle, elle remue les fesses. Mais qu'est-ce que tu dis, papa? C'est qu'une petite fille, elle pourrait être la mienne. Tu verras si c'est une petite fille quand elle sera dans ta maison. Et qu'elle se peindra les lèvres, et qu'elle fera des mines. Et si la beauté est un don de Dieu, elle peut tenter le diable. Papa! Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Jessica, comment dire? Elle est jolie, oui, mais... Mais moi, je suis un homme honnête. Te fous pas de moi, Carmelo. Moi, la baronne, je la prends et je l'épouse. Voilà. Et moi, je donne pas ma bénédiction à une tête pleine de cornes. Hé! Hey. Et puis, il y a eu des Macaluso marquis de Brandt. Oui, une branche collatérale. Un Macaluso de Genetta avait épousé une fille de leur staff. Oui, c'est ça. Tu parles sûrement anglais, Macaluso. Qui, moi? Non, je parle un peu allemand, monsieur le baron, et je peux l'écrire aussi. Ah, il ne parle pas anglais. Ah, merci. Je vous en prie, grand-père. Et tu n'es pas encore couché, Jessica? Va au lit, il est tard. Good night. Good night. Good night, sir. Good night, mama. Good night. Gute Nacht. Valeria, dis-moi, nos cousins de Trabia n'étaient-ils pas apparentés à des Macaluso? Mascaluccia, papa, Mascaluccia. Ça ne fait rien, il ne faut pas désespérer, on trouvera. Pardon? Il ne faut pas désespérer. Mais qui désespère, monsieur le baron? Attends, peut-être parler comte de Castelvetrano. Oui. Regarde ça. Regarde, c'est un présent de Don Antonio de Castelvetrano. Une carabine hollandaise. Quand il était en Afrique, il abattait les éléphants avec ça. Et les nègres, quand il n'y avait plus d'éléphants. Elle te plaît? Tu la veux? Oui. Oui, mais enfin, des éléphants et des nègres, j'en ai jamais abattu. Mais tu sais quand même tirer. Ah oui, oui, sur les lapins, sur les lièvres. Et sur les voleurs de grand chemin, hein? Et sur ceux qui nous en veulent d'être plus riches qu'eux? Sur les anarchistes? Sur les communistes? Carmelo, prends. Je te l'offre. Mais je veux que tu me jures sur l'honneur que tu ne te sépareras jamais d'elle, ni en voiture, ni chez toi, jamais. Tu le jures? Oui, 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 non, mais je m'en sers jamais. C'est sûr, je peux te faire confiance. J'ai compris, c'est d'accord. C'est bien. Bon, maintenant qu'on a réglé ça, si votre excellence le permet, si Donna Valeria est d'accord, je voudrais... Valeria. Papa, maintenant, Carmelo voudrait parler affaire avec toi. C'est-à-dire du côté pratique de notre futur mariage. Un baron Lamia ne parle pas affaire. Pour toutes les questions d'argent, nous avons nos hommes de loi. Mon cher Macaluso. Macluse. Mais oui, c'est une branche écossaise des paternaux. Macluse. Bien, bien, ça ira très bien, vous verrez. Nous avons deux catégories de mariage. Il faut que tu choisisses l'économique ou la première classe. Ah, la première et même l'avant-première. Oui, oui. Et puis je veux tout le répertoire, cavalier. Mais mon fils, il faut de la musique sacrée. Comme vous voudrez, tout ce que je demande, c'est que ce soit de la musique gaie. C'est une date que vous devez tous vous rappeler, dimanche 28 du mois prochain. Et je vous le rappelle, vous êtes tous invités. Vous mettrez vos robes du dimanche. Vous entendez? Et vous viendrez toutes. Vous aussi, Don Annunziata, c'est vous qui serez la plus belle. Et les bonbons pleuvront comme la graisse. Ah, Carmelo. Saverio, soignez-moi bien le discours aux épées. Mais on n'apprend pas un vieux sage à faire la grimace. Don Saverio, il faudra faire pleurer tout le pays. Pourquoi pleurer? Quand les gens ne pleurent pas à un mariage, ils ne s'amusent pas. Je vous baise les mains, soyez bénis. Suivez-moi, messieurs. Carmelo. Don Calogero. Ah, oui, oui, je sais, je vous dois toujours une visite à la ferme. Ça va comme vous voulez. Tu vois, le monde a bien changé. Maintenant, ce sont les vieux qui doivent se déranger pour venir voir les jeunes. Vous voulez me faire de la peine, hein? Je suis venu pour te parler, Carmelo. Ici, tout de suite? Il s'agit de quelque chose d'urgent. Mais justement, j'ai un rendez-vous extrêmement important avec des personnes dignes d'égard. Laisse-les attendre, ces personnes. Les putains et les voleurs, on ne les fait jamais trop attendre. Vous vous rendez compte, donc, à Calogero, que vous offensez ma future épouse et sa famille?
Et toi, tu te rends compte qu'ils vont faire de toi un paillasse et un bouffon, mais tu ne vois pas que ces vautours n'en veulent qu'à ton argent, pauvre crétin. Je vous baise les mains, donc, Calogero. Et sans rancune, vous êtes invité à mon mariage. Il n'y aura pas de mariage, Carmelo. Quand tu t'auras dépouillé de tout ce que tu possèdes, Donna Valeria te cordera son pied au cul. Non, assez maintenant. Je ne vous permets pas d'abuser de cette façon de Madame la Baronne. Parce que c'est moi qui abuse d'elle. Celui qui abuse d'elle, c'est l'avocat Buscemi, son complice dans les affaires et dans les draps de son lit. Donc, Calogero! Carmelo, si ce que je t'ai dit est un mensonge, tu pourras me cracher à la figure. Mais avant de le faire, sois pas couillon. Informe-toi. Carmelo, si tu me donnes un gâteau, je t'appelle papa. Jessica, comment feras-tu pour jouer avec un estomac aussi plein? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu es un bon petit papa et tu vas m'en donner une bouchée, hein? Jessica. Carmelo, tu as tort de gâter cet enfant. Sa mère est déjà trop faible. C'est à toi de faire preuve d'un peu de sévérité. Et c'est que je n'ai jamais eu d'enfant, monsieur le baron. Mais des mains, tu en as, non? Les enfants, Carmelo, il faut les battre. Comme on fait avec les chevaux sauvages, comme on fait avec les chiens de chasse. Mais votre génération a perdu la main. Vous ne m'avez pas fait mal. Éducateur de mon cul. Bon, salut, je m'en vais. On se verra sur le terrain. Tu devras aller te préparer, sinon on va arriver en retard. Je ne me sens pas très bien. Écoute, Carmelo, tu n'as pas besoin de moi pour aller voir jouer Jessica. Mais comment? Une aussi belle journée? Vraiment, je préférais me reposer un peu. Tu n'es pas fâché. Je vais dormir jusqu'à demain matin. Dis-moi que tu n'es pas fâché, chérie. Excusez-moi. Permettez. Alors, nous voilà à la veille des noces, hein? Donc, Calogero, je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Oh, moi, non. Mais toi, si, Carmelo. Pourquoi tu ne vas pas faire un petit tour? On va voir au motel de Tartaruga. Tu devrais, crois-moi, Carmelo. Chambre numéro 213. Thank you.
Pardonnez-moi. Je vous supplie de me pardonner. Et ne sois pas humilié, Carmelozzo. Tous les hommes sont pareils, tous aussi bêtes. La fête, ça fait faire des conneries. Même moi, tiens, quand j'étais jeune. Moi, je ne parlerai pas de ça à ta place. Un diable, c'était. Mais un vrai diable. Un diable. J'étais qu'un pauvre malheureux à qui il suffisait de voir passer un jupon pour. Oh, quel foutu imbécile. Je me suis fait avoir comme un con. C'est vous qui aviez raison, Don Caleggio. Est-ce que vous aimez Chopin, Don Carmelo? Pardon? Elle a une sensibilité musicale. Tindara a reçu sur le plan musical une instruction complète, jusqu'au pianoforte et à la maison, bien sûr. Mes compliments. Bon, Trésor, je t'attends. Aide-moi à débarrasser la table. Oui, maman. Elle est obéissante. Tindara sait tout faire dans une maison. Elle n'est pas comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est comme le reste. Tout est chaos, tout est confusion. Les femmes se conduisent comme des hommes et les hommes se conduisent comme des femmes. Oui, mais pas chez nous. Viens. Oui, tu as bien. Carmelo, sortons un peu. On va aller prendre un verre dehors et puis on fera quelque chose. Avec votre permission. Et oui, bien sûr, allez. Allez, allez. Regarde ça, si c'est bon. Et tout ça, c'est à moi. Regarde. Regarde, Carmelo. Des années de travail et de sacrifice, mais quelle satisfaction maintenant. Les agrumes Carmelo, qui se met dans les agrumes dormira tranquille et ne connaîtra pas les dettes. Écoute, mon petit, je pourrais être ton père. Mais moi, je n'y connais rien dans les agrumes. Et moi alors, je suis là, non? Mais vous avez vos affaires, vous ne pouvez pas vous occuper aussi des miennes. Carmelo, cette nuit, dans mon rêve, j'ai vu ton père. Dans une de ses mains, il tenait une orange, et dans l'autre, un beau citron. Et il pleurait, ton pauvre père, il pleurait. Et puis, il m'a dit... Calorio, mon fils, je te l'ai confié à toi. Carmelo, mets-le dans les agrumes, ton argent. N'écoute pas les conseils de ce maître boucher, mais de mon cul et du baron Lamia de mes couilles. Eh oui, si vous n'aviez pas été là pour m'ouvrir les yeux. Carmelo, tu es comme un fils pour moi. J'ai seulement une fille, moi. Et peut-être que demain, elle épousera un crève la faim qui va manger mon bien. Quel destin barbare, mon petit. Quel sort cruel d'avoir trimé toute mon existence. Et pourquoi? Pour voir rentrer dans ma maison un individu qui n'apportera que la honte. Un dégénéré, un voleur, un voyou qui s'introduira chez moi sous prétexte qu'il aime Tindara et puis qui appelle... Calmez-vous, donc, Calogero. Écoutez, il se pourrait que Tindara trouve un brave garçon. Des braves garçons, il y en a. Ah oui? Eh, c'est un bel homme, hein? Il te plaît? Ah oui, maman. Il me plaît. Et puis tu sais, il a beaucoup de sensibilité. Pendant que tu jouais, il avait les larmes aux yeux. Peut-être que ses larmes, c'était à cause de la truie qui lui a mis les cornes. Tindara, et qu'est-ce que tu sais de ces choses-là, toi? Maman, mais les gens en parlent. Et toi, tu ouvres les oreilles. Mais qu'est-ce que tu veux, que je devienne sourde? Je suis plus une enfant, j'ai le droit d'écouter ce qu'on raconte sur Carmelo. Tu peux me dire ce qu'on raconte de si intéressant sur lui? Il était parti d'ici 600 sous et il revient avec des millions. Il y a bien des gens qui se demandent comment il a pu gagner tant d'argent. Tindara, son argent, personne n'a à savoir d'où il vient. L'important, c'est qu'il en est et c'est tout. Montre-toi à la fenêtre. Allez, fais-lui un joli sourire. Allez, va. Papa? Papa? Ah, Tindara, mon bijou. Tu sais ce qu'on peut faire de ce citron? On peut en faire des fruits confits et puis de la vitamine C. Regarde-moi ça, il est bien rond, il est juteux. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau, hein? Tu crois qu'en Californie, on trouve des agrumes pareils? Carmelo, tu m'écoutes? Papa, je l'épouse. L'homme sage prend femme au village. Ben c'est que Tindara, elle est un peu arriérée. Petite tête. Plus la femme est bête, moins l'homme a de cornes sur la tête. Ben ça, t'as peut-être raison, je veux pas discuter. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas beaucoup de sentiments pour elle. Tu me diras qu'elle est bien ronde là où il faut. Carmelo, une femme à rondeur, c'est du bonheur. À cul rebondi, enfant bien bâti. Oh, papa, mais t'as pas fini d'inventer des proverbes, femme à rondeur, cul rebondi. Ça fait pas rire. Tu peux pas trouver autre chose pour me convaincre, non? Carmelo, la maison de Calogero Liotta, tu la connais? Elle est belle. Chaude en hiver, fraîche en été. Oh, ça c'est vrai, c'est vrai. On y respire une odeur de bonne cuisine chez des gens honnêtes et honorables. Ah oui. Très bien, papa. Comme tu voudras. Je t'en prie, Carmelo, n'aie pas l'air de me faire une faveur. Tindara est fille unique. Elle est riche et elle a des cuisses que c'est un péché mortel. Qu'est-ce que tu peux demander de plus, mon fils? Hein? Oh, est-ce que je t'ai pas toujours obéi? Hein? Bonne promenade! Bonjour, fiancé! Bonjour, les fiancés! Toutes mes félicitations! Merci, Galine! Eh,
Mais Don Carmelo n'aura plus besoin de nos services. C'est pas encore dit, Tietio. Il va se mettre avec son beau-père dans les oranges. Et les orangers, tu sais comme c'est délicat. Les troncs sont si fragiles. Un petit coup et hop, c'est tout l'arbre qui s'écroule. C'est vrai, ça. Mes amis, je donnerai ma fille à Carmelo Macaluso, même s'il n'était qu'un mendiant. Je le jure sur l'Immaculée Conception. Je vous salue tous. Bonjour, la Taruta. Carmelo, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai fait des recherches dans... Ne te retourne pas, Tindara, c'est un fou. Les Macaluso ont été comptes de Milazzo sous Ferdinand II. Pourquoi? Allez, je t'en prie, rends. Mais comment, tu n'es pas contente de savoir que le fiancé est ta mère? Les fiançailles sont rompues, tu le sais pas, grand-père? Elles sont rompues? Oui. Ah, ben ça vaut peut-être mieux, parce qu'il semblerait que les Lamia et les Macaluso de Milazzo, vers 1752, aient eu quelques mots. Oui, oui, tout est pour le mieux. Il faut que ce soit un mariage dont on parlera longtemps. Nous voulons la messe chantée et le cœur des orphelins de la paroisse. Faites-moi confiance, ce sera un beau mariage. Et nous avons fixé la date au 29 du mois prochain, mon père. Le 29. J'ai l'impression que l'église est déjà réservée à cette date. D'où savez-vous? C'est moi qui avais retenu l'église, mais pour un autre mariage. Qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne change pas la date, mais la personne que j'épouse. Quand Monsieur Carmelo sera marié, il va quitter l'auberge. Mais qu'est-ce que tu crois, qu'un homme marié habite à l'auberge? À Gatina, quand un homme prend une épouse, il va faire danser le matelas dans sa maison. Pourquoi? Avec les matelas que nous avons ici, on ne danse pas bien? Félicitations, bravo, félicitations. Merci. Félicitations. Merci à tous. Tous mes voeux à toi aussi. Parce que je suis bien tranquille que la prochaine, ce sera ta fille. Merci, mes amis, merci. Et voilà, la fortune du paysan va enrichir un autre paysan. Je n'en suis pas fâchée. Je n'en pouvais plus de le voir tourner autour de moi avec son air de chien fidèle. La fidélité du chien ne résiste pas à une chienne. Oui, tu as raison. Il était collé à moi, mais ça ne l'empêchait pas d'aboyer devant les autres. Même la servante de l'auberge. Il retrouvait chez elle le parfum de son étable natale. Même ma Jessica, il la regardait avec un œil lubrique. Une gamine de cet âge. Quelle chance! Un obsédé sexuel, ça va mettre un peu de piquant dans notre existence, non? Dis-moi, et Jessica, comment elle se comportait avec lui? Jessica? Oh, bien, tu sais comment sont les filles de cet âge. Il suffit qu'on la regarde. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, pour rien. Ça, ça devrait bien vous aller. Ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire que pour une cérémonie nuptiale, je préférerais quelque chose de plus classique. Vous auriez pas plutôt un beau costume de style anglais? Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Un instant, je vais voir. Seulement vous dire une chose, vous avez intérêt à bien ouvrir l'œil. C'est parce qu'on a vu des choses qu'on peut vous le dire. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Qu'ils se sont parlé. Ils se connaissent. Ils ont failli être de la même famille, alors s'ils se rencontrent, c'est normal qu'ils se saluent. Donc, Calogero, comme dit le proverbe, putain la mère, putain la fille. Et putain toute la famille. Thank you.
Allez, bois, bois. Ah non, assez, Don Calogero. Non, non, Don Calogero. Ça te fera du bien. Ah non, assez. Ah non. Bois, va, ça va te faire digérer, c'est du 16 degrés. Ah, ça va me faire tourner la tête. Mais non, mais non. C'est un vin franc et honnête, ça. Il vient de la vigne de la propriété de feu mon père. Ah, c'est pour cette vigne que j'ai épousé ta mère. Inutile de le cacher. À ta santé. À ta santé, à notre santé, oui. À tous. Ah non, 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 ne me fais plus boire, parce que, non, parce qu'il faut que je rentre à l'auberge encore, et le vin, ça me fait dormir. Eh ben, tu n'as qu'à faire une petite sieste chez nous, si tu veux. Ah, oh, oui, bien sûr, les lits, ça ne manque pas chez nous. Ah, si c'était la nuit, avec une jeune fille dans la maison, ça jamais, mais deux jours comme ça. Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Tindara, ton père a raison, l'honneur, on ne plaisante pas avec ça. Mais comme il fait jour, je considère que si ton fiancé a envie de faire un petit somme ici, il peut très bien le faire. Eh ben, si vraiment vous insistez... Peut-être que ça me fera du bien, une petite sieste. Mais dormir, ça non. Quand, mais tout de suite. Tindara. Tindara. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Carmelo, oh, je veux te donner une preuve de mon amour. Mais j'ai pas besoin de preuve. Mais je te crois, Tindara. Oh, Carmelo, mais je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre. Je peux pas, je dois respecter l'hospitalité qu'on m'a offert. Ça ne commande pas ce mais sens, Carmelo. On pourrait nous entendre par le passé. Mais papa et maman dorment, t'inquiète pas. Mais il faut que tu ailles dormir aussi. Oh, mon amour. Allons, je t'en prie. Tu m'aimes, Tindara. Tu dois vouloir toucher la voix. Carmelo. Non, mais je te veux, mais tu seras une autre fois. Oh. Une autre... Va-t'en. Oh non, Carmelo, je t'en prie. Ne me laisse pas insatisfaite, Carmelo. Allez, Carmelo. Merci quand même. Viens ici, crétine, imbécile. Tu es la honte de la famille. Même la putain, tu sais pas la faire, même la putain. Mais il ne voulait pas, lui, je pouvais rien faire. Il avait honte de toi. Comment tu t'es envoyé tous les paysans et les va-nu-pieds du pays, et quand pour une fois il s'agit de faire ça avec un homme bien, la rien. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi? Quand ça veut pas lever, ça lève pas. Et pourquoi le bon Dieu il t'a donné des fesses, hein, si c'est pas pour les remuer? Quand je pense qu'on t'a fait faire des études et que tu sais même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, qu'est-ce que tu fais à moitié nu, hein? Elle était dans la chambre de Carmelo, cette sans-vergogne. Comment? Toi? Quoi, sous le toit de ton père? Putain, va! Et lui? Lui que j'ai toujours considéré comme mon fils, il a profité de... Ma fille est déshonorée. Oh, mais qui ne croit pas que ça va se passer comme ça? Il t'épousera, et demain matin, je te le dis. Et s'il refuse le mariage, je l'abattrai, ce salaud, je l'abattrai! Il verra de quel bois je me chauffe, moi! Oh, papa! Calogero, tu n'as pas compris. Il n'est rien arrivé. Comment ça, rien? Rien, rien. Carmelo l'a renvoyé. Comment renvoyer? Elle s'est laissée renvoyer sans rien faire? Eh oui, papa, il s'est rien passé. Carmelo n'a même pas mis le doigt sur moi, alors. Mais c'est pas le doigt qu'il devait mettre. Qu'est-ce que tu parles de son doigt? Un homme d'honneur doit agiter autre chose que le doigt. Mais pour qui est-ce qu'il se prend pour oser se permettre de refuser ma fille, hein? Mais peut-être qu'il est timide, il n'a pas osé. Timide, lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir une Calogero, fille? Calogero, je connais mieux que toi, moi, Carmelo, tu sais. Et je peux te dire, ça va d'envie, je crois qu'il va passer. Arrête, un ne jugement. Me mets pas dans cet état. Tu vas avoir des battements de cœur. Assieds-toi, calme-toi. Laisse-moi tranquille, toi. Laisse-moi en paix, je vais mourir de honte. Et toi, ne me dis rien, hein, parce que tout ça, c'est ta faute, hein. À moi? C'est toi la responsable de son éducation. Et quelle éducation est-ce que tu lui as donnée à cet imbécile qui n'est même pas capable de faire son devoir de fille? Mais regarde-moi dans quel état on est tous à cause d'elle. À cette heure-ci, on devrait pouvoir dormir tranquille, au lieu d'être là à trembler de peur que cette grande salope de fille de la baronne, cette putain, nous enlève Carmelo. Mmh. Allô? C'est moi, Jessica. Oh, Jessica, c'est toi? Alors quand? Sur la route des remparts, après le carrefour de Santa Domingo.
Domenica, il y a un puits, c'est là. Et ta mère? Elle est à Palerme, chez un oncle. Fais attention à ce que personne ne te voit. À tout de suite, je laisserai la porte ouverte. Un nouveau disque. C'est chouette, non? Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Allez, Valéria, il est l'heure, dépêche-toi. Tu m'as l'air bien nerveux, mon chou. Et alors, pas toi? Non, écoute, arrête. Admettons que j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que tu racontes? Ben, c'est simple. On oublie toute cette histoire et on va se coucher tranquillement. C'est ça, et on fait cadeau à ta fille des 100 millions. J'ai pas une âme de bienfaiteur. Mais au fond, c'est ton ami, non? Non. Non, il n'y a rien de commun entre nous. Et je veux qu'il le sache. Je veux qu'il comprenne bien que quand on est pauvre type, on meurt pauvre type. Même quand on a eu 100 000. Oui, tu as raison. Et toi qui sors de la cuisse de Jupiter, toi qui es né gentilhomme, même sans les 100 millions... Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, ne t'en fais pas. J'y vais. Et comme ça, tu vas avoir tout ce que tu voulais avoir. La vengeance et l'argent. Et tu vivras satisfait et content de toi. Dans la merde. Valéria, je te rappelle que ce coup, c'est d'un commun accord que nous l'avons monté. Tu as l'air de l'oublier. Vito, tu es malhonnête. Tu es mesquin, tu es infect et tu es un raté. Et je suis digne de toi. Dans l'arbre généalogique de mes ancêtres, il y avait déjà un certain nombre de putains. Une de plus, une de moins. Pardonne-moi, Carmelo. Pardonne-moi. Oui, mon amour. Mais qu'est-ce que tu veux que je te pardonne? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Non! Je ne veux pas! Laisse-moi! Non! Jessica! Mais tu es folle! Jessica! Carmelo Macaluso! Voilà, c'est fini. Je suis là. Tout est fini. La nièce d'un baron violentée dans une villa par un émigrant. Intéressant. D'après les expertises médicales, l'accouplement avait bien eu lieu. J'imagine l'état de la mère, pauvre femme. Oui, la malheureuse est dans un état épouvantable. C'est moi qui m'étais porté garant pour ce criminel. Mais comment aurais-je pu imaginer ça? C'était un ami d'enfance. Oui, mais quand on revient chez soi avec autant d'argent et qu'on s'appelle Carmelo Macaluso, un mendiant ne peut s'enrichir qu'en enfreignant le code pénal. Vous avouerez que c'était quand même difficile à prévoir. Eh bien, moi, ça ne m'étonne pas. Voilà un garçon qui a voulu se marier deux fois en même pas 15 jours. C'est un obsédé sexuel, ça c'est sûr. La preuve, poursuivre en cachette cette pauvre enfant jusqu'à sa maison de campagne. Oh, quelle malédiction. On devrait l'enfermer, ces gars-là, c'est un crime de les laisser en liberté. Mais à quoi est-ce que ça servira de le mettre en prison? Quand on a autant de millions à la banque, on ne reste pas en prison très longtemps. Ah, n'exagérons rien, ce genre de délit est gravement puni par la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Eh bien, dans le cas où il y a délit de violence charnelle sur la personne d'une mineure, ou le coupable répare par le mariage, ou bien le plaignant accepte de retirer sa plainte. Oui,
Alors, la maman de cette pauvre fille devrait retirer sa plainte contre ce voyou. C'est un peu trop facile, vous ne trouvez pas? Ah oui, bien sûr. Donc, il reste par conséquent la réparation par le mariage. Eh oui, bien sûr. Il est vrai que le mariage est un sacrement qui a la vertu d'annuler... Alors, Don Saverio, vous pensez que la baronne Valeria Lamia devrait remettre entre les mains de cet individu lubrique sa fille unique qu'elle adore, hein? Alors. Ça suffit maintenant, Jessica. Tu vas faire tes valises et tu vas passer quelques jours à Palerme chez ta tante. Ça vous arrangerait que je disparaisse de la circulation, toi et ton avocat? Est-ce qu'au moins il fait bien l'amour? Jessica! Tu parles comme une putain. Mais comment veux-tu que je te parle? Je suis ta fille, non? Non, ne me touche pas, hein? Sinon je t'enverrai tenir compagnie en prison à l'autre imbécile! Quoi? Des menaces? À moi, ta mère. Moi, j'en ai ras-le-bol de vos histoires. J'ai fait tout ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu veux encore, hein? Non, non, tu as fait plus que ce qu'on te demandait, parce que tu es une petite garce. Je t'avais dit de lui faire monter le sang à la tête en attendant que j'arrive avec le commissaire. Seulement toi, il a fallu que tu ailles jusqu'au bout. Et tout de suite. C'est vrai, ça m'a fait plaisir de faire l'amour avec lui. Parce que c'est autre chose que tous ces pauvres types qu'on voit à la maison. Parce que c'est un homme, lui. Oh, quelle belle histoire d'amour. Et pourquoi ne pas l'épouser? Parce qu'il a le droit à quelqu'un de bien. Pas une putain comme moi. Non, sois tranquille, je suis trop lâche pour t'empêcher de dépouiller ce malheureux. Et puis je voulais te dire que ça me fait horreur d'être ta fille. Tu étais d'accord avec nous, Jessica. Je me fais horreur, moi aussi, si tu veux savoir. Mon ami, laisse-moi te dire. L'homme, il ferait mieux de se la couper s'il veut pas avoir d'ennui. Ah, ce genre de conseil, c'est facile. Tu vas pas me dire que tu te l'es coupé, toi. Non, c'est pour ça que je suis maintenant dans la cellule 1522 de cette putain de prison. Macaluso Carmelo, parloir. Moi? Ah, c'est pas trop tôt. Eh oui, l'article 573 n'est pas tendre. Quiconque soustrait une mineure qui n'a pas atteint ses 14 ans à l'autorité exerçant sur elle le pouvoir patriarcal et la retient contre la volonté de cette autorité sera passible s'il y a plainte d'une peine qui peut aller jusqu'à 2 ans de réclusion. La peine peut être réduite dans le cas où l'acte a été commis à des fins matrimoniales. Elle est augmentée si l'acte a été commis à des fins libidineuses. Étant donné que je suis votre avocat, mon devoir est de vous conseiller d'arguer de vos intentions matrimoniales. Ah, vous voudriez me forcer à épouser cette... Même mort, je refuserai. De toute façon, vous n'aurez pas à refuser. La baronne Lamia a exclu l'idée de réparation par le mariage. Elle l'a exclu? Absolument. Ah bah tant mieux, parce qu'au moins sur ce point-là, il n'y aura pas de litige. Bien. Dans ce cas, il ne nous reste qu'à nous battre pour obtenir le retrait de la plainte. Eh bah battez-vous, maître, battez-vous bien. Et comment est-ce que je peux me battre, monsieur Macaluso? Non, c'est à moi que vous le demandez, mais c'est vous l'avocat, non? Eh oui, justement. J'ai déjà pris contact avec la baronne, Valeria Lamia, et... Elle est disposée à retirer sa plainte, mais elle demande un versement conséquent à titre de dommages et intérêts. Mais c'est moi qui ai droit à des dommages. Allons, Macaluso, vous n'allez pas essayer de nier l'évidence. Il s'agit d'une très jeune fille. Les violences qu'elle a subies risquent de conditionner tout son avenir physique, mais... psychique et social. Mais je vous ai dit comment ça s'est passé, maître. On m'a tendu un piège. Et quel est le tribunal qui croira à cette version des faits? Soyons lucides. Bande de voleurs de merde. Bon Dieu, de famille, de saloperie de merde. Alors dites-moi, maître, combien ils veulent? Tout. Tout quoi? Ils connaissent le montant de votre compte en banque et ils veulent tout jusqu'au dernier centime. C'est une plaisanterie. Mais ils veulent me réduire à la mendicité. Alors, que voulez-vous faire? Parfait, maître. Je vous serai reconnaissant de leur transmettre ma réponse. Ah, maître, bonjour. Comment allez-vous, monsieur Macaluso? Et comment croyez-vous que j'aille? Il y a 6 mois que j'attends ce jour. Enfin, je vais pouvoir parler. Je pourrai tout dire. Restez calme. Faites-moi confiance et vous verrez que tout ira bien. Le tout, c'est de ne pas vous énerver, d'être calme. Calme, mais je me sens comme un glaçon, maître. Je suis surgelé. Je suis nordique. Un Allemand flegmatique. Fils de putain! Saloperie de voleur! Voyou, traître, salaud! Vous me paierez, toi et ces deux grandes salopes! Je vous enverrai tous mourir en prison! Vous verrez ce qu'il en coûte de s'arrêter à Macaluso. Tu dois être un brave homme, toi. Les juges sont des gens honorables. Lis, oui, lis. Et après, je t'expliquerai l'infamie qu'ils ont commise. J'ai déjà purgé 6 mois. Et des circonstances atténuantes, alors j'en ai tant qu'on en veut.
Ces salauds ont voulu boire mon sang, mais je suis sans reproche. Et alors, qu'est-ce que vous voulez me faire encore? Parle, juge, parle. Dis-lui à ce cocu, dis-lui que ma calouse au Carmelo a déjà purgé plus qu'il ne fallait. Alors parle. Parle. Hein? Hein? Parle. Parle. Mais parle, monsieur le juge. Que faisons-nous, messieurs? Je suggère le renvoi. Nous acceptons le renvoi. On renvoie. Et on renvoie. L'affaire est renvoyée. Putain de merde. Putain de merde! Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Mon fils, putain de merde. Tu dois offrir ta souffrance à notre Seigneur. Ma souffrance, je la lui ai déjà offerte. Et c'est lui qui a refusé de la prendre. Dis, ne blasphème pas, Carmelo. Sinon, tu risques que le tribunal de Dieu soit plus sévère encore que le tribunal des hommes. Mais mon père, le tribunal des hommes, il se fout de ma gueule. Il renvoie, il renvoie, il renvoie. On en est déjà au troisième, au quatrième renvoi. Vous savez que j'ai une crise cardio-circulatoire, des ulcères et j'ai aussi un ictère. Vous voyez bien que je suis jaune comme un citron. Oui, je sais, le cours de la justice est lent et plein de complications, d'épreuves, des témoignages, ça fait des presque un an. Mon fils, dois-je te rappeler pendant combien de temps Saint-Pierre est resté en prison? Mon père, sans vous offenser, je m'en fous. Assez, mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en peux plus, moi. Je veux être libre, moi. Je veux comprendre ma liberté. Je veux... Je paierai tout. Je paierai tout ce qu'on veut, quoi, qui est ça. Allez le dire au baron. Alors préparez tous les documents. Macaluso, Carmelo, paie ce qu'on demande et on lui rend la liberté. Parfait. Eh ben, je me sens déjà mieux. Tu es comme mon fils ici, tu es chez toi. Mes amis, je donnerai ma fille à Carmelo Macaluso, même si c'était un mendiant. Je jure sur l'Immaculée Conception. Merci, Don Calogero. Don Calogero, c'est moi, me voilà, je suis libre. Tindara! Don Calogero! Donna Rosaria! Je suis sorti aujourd'hui, juste le jour de l'Immaculée Conception. Où êtes-vous, Don Calogero? Don Calogero! Don Calogero! Qui es-tu? Je ne te connais pas. Non, mais je vous en prie, Don Calogero, je vais tout expliquer, mais laissez-moi le temps. Tu es sur mes terres. Si tu ne t'en vas pas tout de suite, je t'abats comme un voleur de citron. Ah, ça je sais, vous avez raison, je vous ai offensé, vous et votre famille. Mais on m'avait tendu un piège, je vous le jure. Dites-le à Tindara, je veux qu'elle me pardonne, elle. Oh, mais je te pardonne, Carmelo. Marions-nous vite. Donc, alors, Giro, et si Tindara me pardonne? C'est moi qui ne te pardonne pas. Mais vous êtes un homme, vous devez me comprendre. Est-ce que jamais aucune femme, même une fois, ne vous a fait perdre la tête? La tête, quelquefois, oui, peut-être. Mais 100 millions, jamais. Ah, c'est pour ce qui est de l'argent? Ah bah vous en faites pas, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai l'habitude de travailler, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai de bons bras. Ah, c'est pour ça que tu es venu. Tu cherches un travail de journalier, et alors tu peux pas me le dire, imbécile. Parce que moi j'ai pensé que tu voulais revenir dans ma maison, reprendre ta place à ma table. Je vois qu'on s'est mal compris, apparemment. Donc Calogero! Donc Calogero, attendez, ne fermez pas la fenêtre. Ne fermez pas, je vous en prie, Calogero. Non, écoutez-moi. Vous avez dit un jour que vous me donneriez votre fille, même si j'étais un mendiant. Vous l'avez même juré sur l'Immaculée Conception. Bah maintenant, c'est ce que je suis, un mendiant, un crève-la-faim. Tu te souviens pas du jour où tu as repoussé Tindara? Tu n'en voulais pas, maintenant tu es moins fier, hein? Mais moi, je l'ai repoussé par respect, j'étais votre invité. C'est ma mère qui m'avait envoyé, parce qu'elle voulait qu'il y ait un flagrant délit. Je dis, veux-tu t'enlever de là? Oh. Putain de merde. Tous des traîtres. Tous des vendus. Pire que Judas Iscariote, vous êtes. Ce qu'ils m'ont fait, ces salauds de voleurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lèves les yeux au ciel. Tu devrais plutôt regarder en bas, parce que c'est en bas que sont les mauvais chrétiens.
Oui, Maître Buscemi va me le payer. Et aussi donc à Loggero Liotta. Ce sont vos affaires, nous on ne veut pas s'en mêler. À toi de jouer, Chicho. Je vous ai toujours bien traité. Maintenant, je veux voir les plantations de Truca Loggero rasées jusqu'à la racine. Je veux voir le palais Lamia brûler comme un brasier. Si c'est ce que vous voulez faire, faites-le donc. Mais c'est à vous de le faire. Vous êtes mes employés. Chicho, et qu'est-ce qu'il nous veut? Et qui le connaît, celui-là? Cocu de malheur. Fils de putain. Un va-nu-pied, oh. Et tu te permets de donner des ordres? Oh. Retourne en Allemagne, oh. Recommence à voler les braves gens. Tu vas voler encore un peu d'argent, oh. Venir demander des services. Oh. 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 Tout ça c'est bien, Carmelo, mais soyons honnêtes, mon fils. Comment tu les as eus, ces 100 millions? Grâce à des voleurs. Et ce sont des voleurs qui te les ont pris. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu veux vraiment savoir comment je l'ai eu, cet argent, hein? Je ne l'ai jamais dit à personne parce que j'avais honte de moi. Pendant 15 ans, j'ai travaillé. J'arrêtais pas de travailler. Le matin, je travaillais dans une brasserie jusqu'à 4 heures. Et après, jusqu'au soir, je portais des paquets et des valises à la gare. Et puis la nuit, j'étais dans un garage, gardien de nuit, pendant 15 ans. J'avais une petite chambre et une cuisine. On y avait mis des matelas. On y habitait à plusieurs, avec des paysans, plus malheureux encore que moi. 3 marks la nuit, ça coûtait. Ça valait pas davantage. J'ai mangé du pain et des patates. Je dormais quand je pouvais, au travail. Jamais une femme. Jamais de cinéma. Jamais de promenade. Jamais rien. Rien. 15 ans. 15 ans pour pouvoir revenir au pays. Et pour m'acheter le respect des gens. Respect des gens, mon fils. C'est pour l'avoir que je me suis tué. Thank you.
samedi 19 novembre. Ma chère Jessica, j'ai bien réfléchi et je comprends maintenant que j'ai été un imbécile. Eh oui, Macaluso Carmelo le reconnaît. Il a été un grand imbécile. Mais à toi, je vais te dire pourquoi. C'est pas parce que je me suis fait voler 97 225 000 lire, mais parce que j'ai cru qu'avec tous ces millions, je pourrais devenir comme vous. Et en fait, je suis devenu aussi bête que vous, mais j'ai oublié de devenir aussi malhonnête que vous. Je ne parle pas de ceux qui ont profité de mon argent en me faisant payer trop cher leurs services. Je parle de ceux qu'on dit honorables, à qui on baise les mains. Je parle de ceux pour qui il n'y a qu'une chose qui compte, avoir de l'argent. Et quand on en a, en avoir encore plus, quitte à se vendre. Je parle de ceux qui vous jurent leur amitié, qui vous font des sourires, et qui ne sont que des fils de putain qui vous sucent le sang. Je parle des gens comme ta mère. Remarque que là, il y a une consolation. C'est qu'une mère, on n'en a qu'une. Imagine ce que ça aurait été si tu en avais eu deux comme elle. Mais toi, tu es jeune, Jessica. Tu as encore une chance de ne pas devenir comme eux. C'est la chance que je te souhaite. Adieu, Jessica. Je suis à toi pour toujours. Et je signe Macaluso Carmelo, fils de feu Giuseppe. Ah, post-scriptum. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, je tiens à te dire que, malgré tout, cette lettre est une lettre d'amour. Quand tu liras ces mots, je serai déjà loin. Ils sont bien payés en Allemagne, ceux qui sont maçons. Oui, peut-être bien, mais c'est loin de chez nous. Ma mère a presque 80 ans. Qui sait si je la reverrai? Moi aussi, j'ai une vieille mère. Elle est toute seule parce que tous mes frères, ils sont en Australie. On espère qu'un jour, je pourrai faire venir ma femme à Francfort. Et c'est pas drôle de se séparer. Et toi, qui tu laisses au pays, camarade? Personne. Ni amis, ni parents. Jessica! Mais qu'est-ce qui vous prend, vous? Les femmes. On s'en met une là, et elle, putain, elle s'envole. Elles sont comme l'air. C'est vrai, ça. Elles en font faire des conneries, les femmes. Ben, c'est peut-être parce que nous, en Sicile... En Sicile, en Allemagne, c'est pas pareil. Il y en a un qui est revenu d'Allemagne. Un gars de mon village. Il est revenu très riche. Il avait des millions. Il avait une Mercedes-Benz 220 diesel. Il avait 100 millions. Il en avait une valise pleine. Eh ben, en voilà un qui est heureux, il peut vivre comme un baron. Justement pas. Il s'est fait coincer avec une fille. Et en plus, c'était la première fois que ça lui arrivait. La fille était mineure. Ses parents se sont mis d'accord avec les avocats et ils lui ont enlevé tout ce qu'il possédait. La note de l'auberge, il a dû la payer avec la Mercedes-Benz. Ils lui ont vraiment pris tout? Tout, oui. Toute une valise pleine de millions. 100 millions pour avoir tiré un seul coup? Qu'est-ce qu'elle devait avoir entre les cuisses, des brillants ou des turquoises? Je rigole, mais j'en ai connu une. Que voulez-vous? En or, elle avait les fesses. Et elle exploitait son filon. C'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose.